Sommes donc dans notre session de cubase où nous avons importé un certain nombre de samples de notre bibliothèque de médias un sample de guitare acoustique mélodie acoustique des batteries enfin des percussions enfin vraiment des batteries et des petites percus additionnelles on a aussi cherché un kick qu'on verra tout à l'heure et nous avons déjà fait une petite ligne de basse le tout étant brut de coffrage. Alors un premier traitement qu'il faut faire si maintenant nous avons donc simplement intégré un certain nombre de samples qui nous plaisaient mais ces samples-là ne sont pas harmonisés d'un point de vue du tempo. D'ailleurs, on va pouvoir écouter cela. Voilà, on se rend vite compte qu'il n'y a pas d'harmonie de, des tempos. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'outil de la mise en tempo des samples audio. Donc, vous sélectionnez l'ensemble de vos samples. Alors, juste en aparté, les deux premiers samples étaient à la vitesse de 87 bpm en la mineure, donc par défaut. Nous avons donc pris ici défaut les 87 bpm comme base mais les autres samples ne sont pas du tout harmonisés là on est en 85 là on est en 85 voilà nous allons donc nous harmoniser après avoir sélectionné l'ensemble des événements vous avez ici un mode appelé musical voilà on, nous l'avons ici et ce mode musical, il suffit simplement de l'appliquer à l'ensemble des samples pour qu'ils se mettent tous en termes de valeur temps au BPM choisi. On va voir si déjà ça, ça match. Voilà, c'est déjà bien mieux. Ça, c'est le premier outil dans une compo de ce genre-là dont on va avoir besoin. Le deuxième outil, chaque sample qui a été chargé a déjà été mis à niveau, donc pratiquement à 0,8, vous le voyez ici, euh, en tout cas très haut euh, en niveau de volume. Donc, lorsqu'on les met, euh, là, j'ai descendu le, le volume du vumètre de... Le volume du gain général, mais si nous les laissons à ce niveau-là, nous ne pourrons pas travailler dans le mix. Donc, deuxième outil qui est très 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 simple vous validez vos pistes, vous faites un contrôle clic de droite et vous rentrez dans les traitements de pistes. Un traitement pratique, c'est la normalisation normaliser les pistes. Donc, vous ouvrez le traitement, la fenêtre de traitement vous Est proposé. Vous voyez qu'en orange on vous indique que vous êtes en multi-sélection, c'est-à-dire que vous avez sélectionné plusieurs événements et donc nous traitons tous ces événements-là dans la normalisation. Vous avez ici la normalisation crête, donc c'est-à-dire que nous allons prendre le niveau crête maximal et nous allons le mettre à moins 18 dBFS. Et donc, nous pourrons travailler correctement sans avoir une addition de saturation. Et on applique ça par la valeur appliquée. Alors, revenons juste un peu en arrière. Nous aurions pu faire un contrôle-clic sur chaque événement et le normaliser tout seul. D'ailleurs, il peut arriver que dans une session de travail, eh bien, vous ayez besoin de normaliser des pistes que vous allez rajouter encore par la suite. Donc là, comme toutes les pistes ont été intégrées avant la session de tuto, on va pouvoir les normaliser en même temps. Voyons voir le résultat. Normaliser. Et appliquons ce traitement à moins 18. Voilà. Donc le traitement est appliqué et ce traitement-là, euh, déjà, nous montre que nous avons baissé de volume. Donc nous allons remonter notre volume général. D'ailleurs nos vumètres sont descendus à moins 16 ou moins 17 donc nous sommes très proches des moins 18 partout. Et à la sortie nous sommes à moins 13, moins 11, ce qui est tout à fait confortable. Voilà pour le deuxième outil, très pratique. Un troisième outil que nous allons voir aussi maintenant, nous avons fait donc une petite ligne de basse. Cette ligne de basse, elle n'est pas encore tout à fait quantifiée. Elle a été naturellement jouée. Donc nous allons voir ensemble maintenant. Cette ligne de basse. Vous faites un double clic sur la ligne de basse et vous pouvez l'éditer en MIDI sur votre écran. Alors, si nous regardons un peu comme nous sommes placés ici, nous nous apercevons que nous sommes. quantifié déjà au 16e. Hein, nos pistes sont divisées par 4. Un temps est divisé par 4, donc 4 fois 4, 16. Donc une mesure est quantifiée en 16 portions égales. Vous le voyez ici. On voit que le jeu de basse se place dans cette quantification-là, mais pas avec très grande précision. Donc nous allons simplement sélectionner l'ensemble des portions et nous allons aller dans le menu de quantification. à votre gauche, là nous avons les menus de quantification. donc nous avons un niveau de quantification de 90%. ça veut dire tout simplement que nous essayons d'avoir un peu d'humanisation de cette quantification pour qu'elle ne tombe pas de manière très rigoureuse sur le temps. Nous pouvons aussi mettre un peu de swing. Nous avons choisi 4% de swing et nous quantifions au 16e de la mesure. Alors, nous avons ici appliqué les quantifications. On aurait pu quantifier la durée, les fins et nous allons dire simplement appliquer la quantification. Et voilà nos portions sont partis en quantification au 16e de temps. Nous pourrions revenir aussi en arrière en simplement en réinitialisation de la quantification. Vous voyez. Nous allons voir juste si la basse elle est bien calée. Voilà, là il a oublié une quantification. En tout cas, il l'a quantifié plutôt avant, sur, la, sur la, le 16e d'avant. Donc nous allons le faire manuellement puisque il n'a pas été euh, réactualisé à cet endroit-là. On peut l'élargir simplement parce qu'il n'avait pas assez de place pour mettre le... On peut même d'ailleurs la, la reculer un peu. Alors, nous avons encore un outil que nous allons utiliser ici dans l'édition MIDI. Vous voyez les couleurs qui sont proposées. Donc, en fait, euh, c'est la vélocité de votre frappe ou euh, de votre tenue de, de note. Cette vélocité-là, elle est indiquée par coloris. Plus vous allez vers le rouge, plus votre vélocité est près des 129. Euh, qui sont le maximum possible. Voilà. Donc si vous allez par exemple sur cette note là, vous êtes à 110, Donc, voilà on est pratiquement euh, au maximum de la vélocité de la note. Donc ça c'est pas forcément euh, bon pour le jeu de basse mais quand même il y a déjà des nuances dans le jeu de basse qu'on voit des, plus, des, des, des notes plus claires et des notes plus foncées, enfin plus rouge et moins rouge euh, violette. Et donc, on va euh, simplement descendre la vélocité de manière globale. Donc, là aussi, nous avons des outils que nous propose Cubase. Là, vous sélectionnez l'ensemble de vos notes. Vous avez le tableau en bas qui s'affiche donc en sélection totale. Tout le monde est en noir. Et vous avez un petit point ici et une flèche qui se met sur le point. Si vous tirez cette flèche vers le bas, vous voyez, on descend proportionnellement chaque vélocité. Et donc, nous avons refait la vélocité de chaque note, au lieu de la faire indépendamment, nous l'avons fait selon la vélocité du jeu de la basse. Ce qui est pratique parce que si nous avions voulu le faire note par note, il aurait fallu redessiner chaque note à part. Voilà. Donc ça, c'est encore un menu qui est très pratique. Voyons le résultat. Je suis pas encore sûr que cette note soit bien placée, surtout si nous voulons refaire une deuxième boucle. On va pour l'instant la laisser comme ça. Elle fonctionne bien. Voilà, nous allons quitter donc l'éditeur de de midi. Nous allons donc voir d'autres possibilités de traitement sur nos événements de piste. Prenons voir la piste de guitare acoustique. Nous faisons un clic droit. Nous pouvons zoomer sur la sélection, ce qui nous permet de voir l'événement de la piste de manière plus... Euh, lisible si nous avons soit un problème de, de placement, soit un, un problème de quelconque. En tout cas, le zoom est pratique. Nous pouvons dézoomer, pareil, annuler le zoom. Donc ça, c'est pratique pour aller sur l'événement. Nous aurions pu y aller comme ça, mais il aurait fallu zoomer en largeur, puis en hauteur. Alors que là, Cubase nous propose le zoom directement sur la sélection. Vous avez zoom sélection horizontale verticale et zoom sur la sélection que horizontale. Et bien sûr, toujours CTRL-CTRL-CLIC contrôle, contrôle, et vous pouvez annuler le zoom. Alors nous aurions aussi pu zoomer sur deux événements. Si nous avions voulu comparer les deux événements pour comparer par exemple les, les entrées des, des mesures. Je voulais voir avec vous aussi euh, une, quelque chose de, qui peut être pratique, c'est sur l'ensemble des pistes que nous avons chargées. Nous n'avons pas de fade entrée et de fade de sortie. Donc ça peut clipper au passage de la lecture. Et donc faire des bruits indésirables. En saisissant l'ensemble des événements, vous avez toujours la ligne d'événements qui est affichée en orange, ce qui vous montre que vous avez une sélection générale. Et vous avez les fondus d'entrée et de sortie. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'office de mettre 4 millièmes de chaque côté en entrée et en sortie ce qui vous permet d'avoir un fad sur chaque piste et vous n'êtes pas obligé d'aller dans chaque piste mettre un fad vous voyez vous avez les fades dans chaque piste donc ça c'est aussi un outil précieux puisque là on a au moins sécurisé alors si vous voulez par exemple sur cette piste là on voit bien qu'on pourrait faire un fad beaucoup plus grand après on peut toujours actualiser les fades Là où il y a besoin, mais les pistes qui commencent vraiment à ras de la mesure ne peuvent pas être fadées trop trop violemment sinon on perd le transient de la mesure ou de la guitare ou de de l'instrument qui joue voilà donc ça ça peut être très pratique aussi de fader l'ensemble des pistes au départ de votre travail. Nous allons voir ensemble l'accès à l'ensemble des menus d'outils. En traitement direct donc vous avez deux possibilités pour le traitement direct c'est contrôle plus le clic de droite soit sur une seule piste sur un seul événement de piste et vous avez l'ensemble des menus mis à votre disposition pour le traitement des pistes vous pouvez aussi sélectionner l'ensemble des événements et faire un clic contrôle clic droite et vous avez accès à l'ensemble des menus et des outils à votre disposition. Ça c'est le premier élément qui vous permet d'accéder. Le traitement hors ligne est aussi accessible via une interface complète qui dans, lequel, dans laquelle vous allez visualiser les traitements hors ligne. Et celle-ci, elle est accessible avec F7. Voilà, Vous êtes en traitement hors ligne et ce tableau là va vous refléter tous les événements que vous ferez dans les traitements directs sur les événements de piste. Alors rien à comparer avec les inserts des pistes, ce ne sont pas des traitements que vous allez retrouver en plugin d'insert, mais dans, une, dans ce voilà, dans cette interface, vous trouverez tous vos traitements et nous allons voir au fur et à mesure ce que nous pouvons faire avec tout cela. Ce qu'on peut noter dans la fenêtre de traitement, euh, nous avons toujours le nom de, de l'événement. Donc là nous sommes dans le premier événement, nous avons son nom ici. Nous avons le traitement déjà effectué. Donc, nous avons normalisé ce, 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 cet événement-là. Et donc, le traitement de normalisation apparaît ici. Supposons que vous voudriez enlever ce traitement-là. Il vous suffit simplement d'être sur le traitement. On pourrait déjà l'annuler en termes d'écoute. Voilà. Il reprend simplement la valeur d'origine. Et nous pouvons le réintégrer comme euh, si vous mutiez un, un plugin. Mais nous pourrions aussi simplement le mettre à la poubelle. Voilà. Et soit recréer un autre traitement. Euh, voilà. Vous avez aussi ici l'ensemble des accès plug-in et l'ensemble des accès traitement. Ici vous avez une petite coche pour l'auto-application. C'est-à-dire, si vous le cochez, les traitements que vous allez mettre en place vont s'appliquer automatiquement. Moi je dirais... Laissez décocher, ça vous permet de les appliquer volontairement au moment où vous êtes sûr de votre traitement. Après, écoute. Vous avez ici une banque de favoris de vos traitements. Si vous avez des traitements que vous voulez mettre en banque de favoris pour les avoir très rapidement, et eh ben voilà. Ou si sur une session vous utilisez un traitement dix fois sur des petits événements, eh ben vous le placez ici et vous pouvez le rechercher. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons effectuer des traitements sur nos événements? alors, nous avons différentes possibilités de euh, traiter les événements. bien sûr, sur une piste, nous aurions très bien pu euh, faire des inserts de traitement ici, comme par des plugins ou par, des, ou par le traitement simplement sur, euh, sur la voie. avec l'égalisateur, le channel strip, là, nous aurions déjà pu faire des traitements. Mais ça, ce sont les traitements qu'on pratique de manière courante. Maintenant, partons du principe que vous avez déjà fait un certain nombre de traitements et que vous voulez faire des traitements très spécifiques sur un certain nombre d'événements. Voilà, donc c'est ça le traitement hors ligne. C'est euh, des traitements qui ne sont pas forcément mis à tous les endroits de l'événement de piste mais qui peuvent être des traitements d'effet ou divers qui peuvent vous aider à travailler ponctuellement. Donc comme on a réduit le volume, nous allons aussi augmenter pour avoir un signal un peu plus lisible. Donc par exemple sur cette piste-là, clic droite, qu'est-ce qu'on a encore de disponible dans les traitements on peut travailler l'enveloppe le fond du d'entrée le fond de sortie on pourrait travailler le gain de manière particulière à cette piste-là inverser la phase de la piste normaliser nous l'avons vu faire des corrections de hauteur supprimer la composante continue rééchantillonner inverser même la piste créer des portions de silence Permuter la stéréo, c'est-à-dire permuter la voix gauche et la voix droite, et modifier la durée. Nous avons aussi à disposition tous les plugins que vous avez dans votre dans votre séquenceur. Tous ces plugins-là sont à disposition hors euh, ligne. Nous avons aussi à disposition l'accès à des extensions. Entre autres, moi j'ai Spectral Layer qui permet de faire une analyse de la piste enfin de, de l'événement et de traiter l'événement et donc je peux faire appel au spectral layer hors ligne nous avons bien sûr donc ce qu'on a vu le zoomer zoomer la sélection verticale et horizontale simplement l'horizontale annuler le zoom nous pouvons bien sûr supprimer coller copier couper et nous avons accès au fondu nous pouvons déplacer Rechercher des événements. Voilà, créer des points de synchronisation. Coller les événements sélectionnés, dupliquer et quantifier. Créer une piste, échantillonneur. Faire le rendu sur place. Alors, le rendu sur place, nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est simplement une fois que des événements ont été mis en place, des traitements ont été faits. On peut remettre à jour l'événement de piste pour que ce soit simplement un événement à part entière et non plus un traitement en cours. C'est comme si on faisait une exportation au lieu de la faire à l'extérieur du séquenceur, donc sous format wave, on fait une exportation directement sur l'événement de piste. On verra ça ensemble. Alors ce que je voulais voir avec vous, c'est par exemple la mise en place d'un plugin. bien sûr, l'ensemble des traitements que vous allez faire va ouvrir la fenêtre des traitements hors ligne. traitement hors ligne, cette fenêtre, vous pouvez la voir par la touche f7. donc la touche f7 vous donne accès aux traitements hors ligne. Je retourne sur les traitements. Donc, nous avions lu la liste des traitements disponibles. Moi, ce que je vous propose simplement, c'est que vous fassiez vous-même les essais de chaque traitement pour voir à quoi il correspond. Nous en avons vu un, c'est la normalisation. Euh, voilà. Nous n'allons pas tous les voir en revue. Vous pouvez simplement y accéder vous-même. Vous pouvez cliquer sur chaque traitement. Par exemple, vous voulez faire des fondus d'entrée. Bien sûr, il ouvrira toujours la fenêtre de traitement hors ligne et vous aurez accès simplement. Bon, là par exemple, nous pourrions faire un traitement d'un fondu particulier, hein, donc euh, le traiter. Moi je les ai enlevés, pour l'instant je ne l'applique pas.